la chance d'être en compagnie de Patrick de Quad 9 Montréal et What's Up Montreal. Salut! Toi, parce qu'on te connaît aussi surtout parce que tu t'impliques beaucoup au niveau de la communauté YouTube Montréal. Oui. Donc, parle-moi un petit peu de ce que tu fais pour la communauté de Montréal. Ben, en fait, je vais parler de ce qu'on est en train de faire maintenant comme projet. Mais là, on vient d'ouvrir un espace créateur. Ah, nice. C'est un place de rassemblement, le QG, on peut dire, pour les créateurs de venir ensemble. C'est un espace qui va avoir des événements, il va avoir des formations, des opportunités pour faire des collaborations, de production. Donc, c'est quelque chose de grand. Ça fait des années c'est que cool. Les gens nous demandent. Fait qu'on a finalement fait de la collaboration avec Alt247 pour ouvrir ceci. Et, mais tu n'étais pas là la dernière fois, mais on a annoncé quelque chose de grand spécial pour les Québécois. C'est qu'on a fait travailler pour faire une convention internationale. On travaille avec les grands YouTubers des États-Unis, de Los Angeles, pour en fait créer ça ici. Ça va être le premier de cette série-là. Puis il va y avoir du monde du reste du Canada, des États-Unis, mais bien sûr aussi beaucoup, beaucoup de monde du Québec. Parce qu'on veut bien montrer la culture montréalaise et québécoise au niveau international. Fait que c'est assez de fun. Puis, je suis vraiment très heureux de ça. Ah, c'est cool! Puis, juste pour spécifier aux gens, on fait une vidéo pour l'équipe de Quad 9 Montréal, puis on se promène dans les magasins geeks, dont le Planète Otaku, qui est juste là. De faire notre tournage et notre petite tournée des boutiques geeks et on était tellement intrigués par un restaurant de dumplings sur Saint-Hubert qu'on a dit pourquoi pas on va aller l'essayer. Puis ce qui est le fun c'est qu'il offre aussi des dumplings végétariens sans œufs, sans produits laitiers, donc c'est parfait pour mon ami Bagdi Patrick. Je suis trop habituée de me mettre avec ton nom à toi. Puis j'ai décidé aussi moi aussi de me prendre une petite soupe, une belle petite soupe ponton. C'est toujours réconfortant pendant une belle journée de pluie comme ça. Nos petits dumplings, donc les miens sont au poulet et coriandre, ça a vraiment magique. Avec les petites sauces pour les tremper dedans et la sauce soya, la sauce aux arachides, la sauce un peu piquante. Je vais sûrement te la laisser celle-là. Piquante, ça pourrait pas ça les piquants. Moi, j'aime ça les dumplings, dumplings végés. Ouais. Bon appétit, mon chat, ça sent tellement bon. Je vais prendre mes fourchettes parce que je suis pas très habile avec les... Moi non plus. Il a neigé cette nuit. Et je suis un petit peu dans la lune, mais bon, ça c'est un détail. Mais je voulais absolument vous montrer mes achats que j'ai fait au Michaels avant de sauter dans la douche et de finir le montage de ce vlog. Puis je trouvais ça vraiment cool, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les rabais qu'il y avait. Puis je pense que vous allez être contents un peu de ce que j'ai trouvé. Ouais, fait qu'on va commencer ça maintenant. Comme vous savez peut-être, la thématique de mon sapin habituellement, c'est doré, rouge et bleu. Par contre, je me suis un petit peu tannée du doré et du bleu.
Fait que j'ai été me chercher d'autres petits trucs qui me tentaient plus. Entre autres, c'était un petit peu plus tendance ces temps-ci, là. Je me suis acheté une nouvelle boule rouge, son petit peu, tu sais, son mat un peu irisé, c'est vraiment super beau. Il était à 50%, by the way, toutes les boules, là, c'est vraiment cool. Je me suis acheté des petites boules blanches pour remplacer le doré, je trouvais ça plus, plus intéressant. Puis pour remplacer mon bleu, je me suis acheté des petites boules plus turquoise, couleur menthe un peu. Je trouvais ça vraiment plus beau que le bleu. Puis je trouve que les trois couleurs ensemble, c'est un petit peu plus chaleureux. Puis je trouve ça plus beau en fait. Donc ouais, vous me direz ce que vous pensez de la couleur. C'est sûr que je vais mettre. Je vais vlogger quand je vais faire mon sapin, bien sûr. Mais c'est pas les seules choses que j'ai achetées. Pour ma thématique de mon sapin, j'avais le goût de mettre des accents de bois à l'intérieur. Puis de trucs plus naturels. Puis de base, ces quatre petits ornements-là ici. C'était pour faire des DIY, pour les peinturer, mais je l'ai trouvé tellement beau comme tel que je me suis dit que ça pourrait être très beau dans mon sapin, agencé avec des trucs que j'ai déjà à la maison. Donc, la petite étoile qui est là, elle est transparente en fait, là. Il y a un beau gros collant hein, à l'arrière, là, mais je vais l'enlever, c'est sûr. Hein. Donc, je trouve vraiment beau, je trouve les détails vraiment super intéressants. J'ai déjà des étoiles d'ailleurs. La petite boule de Noël en bois avec le cerf à l'intérieur, là, je trouve vraiment super beau aussi. Le petit flocon de neige, mais mon gros coup de cœur, c'est celui-là ici. Pour ceux qui connaissaient ma passion pour Harry Potter, ça m'a beaucoup fait penser, et peut-être que ça va vous faire penser aussi, si vous êtes fan d'Harry Potter, au Patronus de Snape, de Severus Rogue à l'intérieur. Fait que ça m'a fait un gros « Oh mon Dieu, ça me le prend! » Puis je trouve que ça va faire des super belles, des beaux accents dans mon sapin. J'ai aussi trouvé des petites boucles. J'avais déjà des petites boucles rouges. Mais je me suis dit que des petites boucles comme ça en jute, ça pourrait être très beau et très mignon avec le petit doré, le petit accent doré à l'intérieur. Tout ça, c'est vraiment pas cher. Là. Fait que j'ai vraiment fait un bon rabais encore sur ces décorations-là. Et les derniers, et non les moindres, ça aussi, des gros coups de cœur. Je les ai vraiment trouvés par pur hasard dans un gros bac de décorations vendues à l'unité. Là. Le gros flocon de neige rouge. Qui vont faire un super bel accent dans mon sapin avec les petites cocottes, les petites vignes que je trouve vraiment super beau. Puis il est en métal, il est vraiment super beau. Je l'ai payé 7$ celui-là. Puis le petit renard en bois que je trouverais vraiment cool là, si je me serais retenu, j'en aurais acheté plusieurs, mais sérieusement, à 7$ l'unité, c'est un petit peu dispendieux. Mais je tenais à saluer mon ami Christian Hamel de m'avoir inspiré. Puis en plus, dis-toi que tu vas être dans mon sapin de Noël cette année. Donc, c'est tout pour ce vlog. J'espère que vous avez aimé. Il est quand même assez tôt. Il est à peu près 8h20 du soir. Mais comme je vous ai dit, j'ai plein de trucs à faire. Puis si je veux faire le montage pour vous poster ce vlog le plus tôt possible, je vais le faire dès maintenant. Donc, je vous embrasse. Merci beaucoup d'être parmi nous. Ça nous prendrait un petit nom pour notre famille de Vlog de Marie. Il faudrait y songer tranquillement, pas vite. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Puis, je vous embrasse très, très fort. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour en voir plus. Et on se revoit très bientôt. Bye!